Gracias. Faça a resposta na fé e na memória, na Bíblia. Mas, maintenant, Christ é ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et il a commencé avec chant, non, 104 créoles, chant d'espérance. Jésus ressuscité. Ça, c'est plus que nous connaissons Jésus ressuscité. Et matin, on a célébré notre chant. 104 créoles, chant d'espérance. Jésus ressuscité. Thank you.
Après, bon Dieu avec nous. Amen. N'a fait lecture nous dans Psaume 118 et n'a pris deux premiers versets, c'est premier 1 et 2. Après ça, on a continué dans verset 14 pour arriver dans verset 21. Psaume 118, 1 à 2 et 14 pour arriver dans verset 24. Louez l'Éternel car il est bon. Qu'Israël dise. Regardez dans verset 14, ou dans verset 4. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accordez le salut. Ô Éternel, donne la postérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Merci. Nous partons aller plus loin, excusez-nous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen.